Acadia North and South is brought to you by... Nothing fake, nothing phony. Just the real flavor of the original Louisiana hot sauce. One drop does it. Get that. En doux souvenir de William et Lulamo Broussard, ancêtres d'Amélie et Noémie Echeverria, du Marais Castille de la paroisse Vermillon. Acadian Redemption, from Beausoleil Broussard to the Queen's Royal Proclamation, by Warren Perrin. Dix ans après la déportation, en 1765, 78 familles acadiennes viennent s'installer à Belle-Île-aux-Mer au large de la Bretagne. 20 ans plus tard, beaucoup d'entre eux vont repartir vers la Louisiane car la petite île ne pouvait pas soutenir la communauté grandissante. Entre-temps, il y a eu la Révolution française, les guerres de Napoléon, la Révolution de 48, la Commune de Paris et deux guerres mondiales, des couches d'histoire empilées les unes sur les autres sans étouffer la racine acadienne. Car Marie-Vanne Le Gac et les Acadiens de Belle-Île sont toujours très attachés à leur héritage. Après 240 ans et de génération en génération, la flamme de l'Acadie continue à brûler à Belle-Île. J'ai toujours aimé la Bretagne. J'ai toujours aimé la musique bretonne depuis la première fois que je l'ai entendue. Et j'ai toujours aimé les Bretons. Ils sont aussi obstinés et sauvages que les Cadiens de mon pays. Et je suis tombé amoureux de Belle-Île la première fois que j'y ai mis les pieds. Je m'y installerais bien si ce n'était pas pour les touristes. Et à chaque fois que je retourne, c'est comme si je rentre chez moi. L'air de la mer fouette mon sang, et les Belle-Îlois, leurs regards pointés férocement vers la tempête, m'inspirent par leur force et leur amour déchaîné comme une mer enragée. Toi, toujours pas sorti. Les pissenlits, c'est pas bon. Tu vois, quand les bouteilles cassent et c'est complètement poli par les vagues. Naturellement, tous les petits cailloux blancs, comme Sarah Bernard. Sarah Bernard avait exigé de ses invités qu'ils ramassent tous des petits cailloux blancs comme ça. Et tout le cheminement de son jardin était entièrement fait avec des petits cailloux blancs comme ça. Alors, quand je me balade à la côte, je ramasse les cailloux, je ramasse les coquillages et les morceaux de verre polis. Moi aussi, je fais ça, mais
me souviens plus jamais d'où ça vient parce que est-ce que tu as amené des pierres d'Acadie? Ah oui, de la baie Sainte-Marie. Ah. La première fois, c'est en 90, quand on est allé à Grandpré. Une des choses que j'ai faites, c'est prendre un petit sac et ramasser la terre dans le jardin d'Évangéline. Que tu as et que j'ai à la maison. Ouais. Que j'ai à la maison et qu'on a déposé aussi à la citadelle. Parce que maman était une passionnée de l'Acadie. Je crois que de sa naissance à sa mort, elle a vécu l'Acadie tous les jours. Mais elles étaient instruites. Ah oui. Oui, et elles avaient même beaucoup de culture. Oui, maman avait fait des études, comme on dirait maintenant, presque supérieures. Elle est allée au collège sur le continent. Elle a eu cette chance. Et non seulement, elle avait quand même été à l'école jusqu'à 18 ans, mais en plus, elle a lu, elle s'est cultivée. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu garder la mémoire de l'Acadie avec un peuple non instruit? Non, grâce aux enseignants, ouais. Grâce aux clergés, la mémoire acadienne ne s'est pas perdue. Et pour l'Acadie, je pense, le français. Je fais partie de la communauté béliloise, je ne crois pas que je sois spéciale. Tout au moins, je ne m'en aperçois pas. C'est la façon dont j'ai toujours vécu. J'ai toujours été comme ça, je n'ai pas beaucoup changé. Un peu entière, un peu têtue. Ça y est, tu débarques pour vendre tes chefs. Ah ouais. Notre rôle à Belle-Île, c'est de garder donc le souvenir de nos ancêtres, mais aussi d'être une terre d'accueil pour les Acadiens qui viennent rechercher leurs origines aussi, parce que pour les Louisianais, ça, c'est le cas, ils ont eu la déportation, ils sont arrivés en Angleterre, ils ont vécu pour certains 10 ou 20 ans à Belle-Île, et puis comme la terre est petite, eh ben, il fallait, comme à notre génération, partir travailler ailleurs, et puis pour cela, ils sont allés soit travailler ailleurs, soit ils savaient qu'il y avait de la famille en Louisiane. Donc 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ils sont partis rejoindre une partie de la famille en Louisiane. Mais j'ai deux ancêtres comme Pierre Richard et Joachim Trahan. Leurs aînés sont restés à Belle-Île et eux sont partis avec les plus jeunes vivre en Louisiane. Ce qui fait que des deux côtés de l'Atlantique, eh ben, nous sommes des descendants de Joachim Trahan, de Pierre Richard. Et on se retrouve 200 ans plus tard. On peut continuer par là si tu veux. Hein? Vous n'arrêtez pas de chanter. Actuellement, le matin, quand tu vas dans le jardin, tu as intérêt à avoir une pièce dans la poche. Parce que si tu entends le coucou pour la première fois, oui. Si tu n'as pas de pièce, tu ne vas pas faire une bonne année, tu ne vas pas être riche dans l'année. Ah. Par contre, si tu as une pièce dans la poche, tu risques d'être riche dans l'année. Il y a eu une tradition orale et on avait nos anciens qui nous faisaient souvenir en me disant « Bonjour ma cousine, n'oublie pas l'Acadie ». Il y en a une autre qui nous racontait quand il y avait l'orage « Oh ma fille, n'aie pas peur, c'est pas l'anglais qui tire des coups de canon ». Et c'est pour ça que même nos enseignants à l'école, même si c'était pas inscrit dans les livres cette histoire, ils nous la racontaient. Ça c'est quand même étonnant parce que nous, en Louisiane, qui sommes beaucoup plus nombreux, on n'a pas gardé cette tradition, on a perdu notre mémoire. Ah ouais. Donc le fil ne s'est jamais brisé, il y a toujours jamais. Un pont. Toujours eu un pont. Ça, c'est... Mais même avec la Louisiane, oui. Parce que tu sais qu'il y en a qui sont repartis en Louisiane, 20 ans plus tard, parce que la terre est petite à Belle-Île, on ne fait que 20 km de long sur 9 de large, avec des familles nombreuses, même à notre génération, il y en a un, deux qui restent ici, et puis les autres vont travailler sur le continent, donc il y en a qui sont repartis en Louisiane. Et ben là, 50 ans plus tard, il y avait encore des correspondances écrites entre ceux qui étaient partis en Louisiane et ceux qui étaient restés ici. Mais et donc, quand même, en Louisiane, la mémoire ne s'est pas perdue du passage à Belle-Île. À quoi est due cette persistance de mémoire? Et ben, on se demande, hein, pourquoi 250 ans plus tard, on parle encore de notre histoire? Voilà. Pourquoi? Comme si c'était quelque chose qui s'était passé hier. Pourquoi? Ouais. C'est mystérieux. Hein? C'est assez, oui. Et en plus, quand on se rencontre, on a l'impression que c'est la famille qu'on rencontre. Mmh. On est presque plus à l'aise entre nous qu'avec certains autres qui sont plus proches de nous. Pourquoi? Ouais, c'est assez mystérieux, en fait. Ouais. Certaines personnes
vont en pèlerinage à Lourdes ou à Saint-Jean-de-Compostelle. Moi, je viens à Belle-Île. Non pas pour prier aux saints en demandant des miracles, mais pour rendre hommage aux Acadiens et le miracle qui était leur vie. 20 ans après avoir construit sa maison à Belle-Île, Pierre Richard est parti en Louisiane. Et voilà, quelques années plus tard, je reviens pour toucher l'esprit de ces hommes, femmes et enfants qui s'appelaient Acadiens, bien que leur Acadie n'existait plus. Et puis tu vois, la maison de Pierre Richard n'a pas bougé. Elle est toujours là, dans le même état. Par contre, elle a un toit neuf depuis quelques années. Et c'est la plus vieille maison de... Ah, c'est une de celles qui a la date de 1766. Donc, du village. Donc... De la première année de, de l'installation, ouais. Donc chaque Acadien qui avait une ferme, on lui donnait combien de terres? Alors, 20 arpents de terre. 20 arpents de terre. Et donc une maison ou des pierres pour construire une maison et des outils pour travailler la ferme. Donc cette maison, il l'a construite? Il l'a construite pour y habiter, donc Pierre Richard avec toute sa famille. Cinq enfants. Cinq enfants, sa femme. Voilà. Donc ils étaient 7 là-dedans. Et tu vois, c'est pas bien grand, mais à vivre pour 7. Il y avait un foyer. Un foyer, une pièce pratiquement unique, et puis juste un grenier pour mettre le foin. Mm-hmm. Et au fronton de la maison, tu as la plaque 1766 qui est restée. Donc c'est lui qui l'aurait construit. Ben, c'est lui qui l'a construit pour s'installer. Et il avait un fils dans un autre village, donc à Kerordé. Et je descends d'Ignace Richard, qui est lui, son fils aîné, qui était à Kerordé. Et lui était avec ses cinq plus jeunes enfants. Et il est reparti, il a laissé à un ou deux de ses enfants la maison. Et il est reparti avec les plus jeunes en Louisiane, en 1785. Alors ça serait... C'est certainement un autre déchirement. Ah oui, mais là, celui-là, il était volontaire. Et ils ne se sont jamais revus. Naturellement, il n'est pas revenu de Louisiane. Et Ignace et celui-ci sont restés ici. Et ils ont laissé beaucoup de descendance qui nous permettent, tu vois, à travers 240 ans d'histoire ou 220 ans, puisque après leur départ, eh ben, on parle toujours d'eux. On ne les oublie pas. C'était quoi leur récolte à l'époque? Du blé, de l'avoine, du lin, de... Parce que tu étais éleveur de quoi... aussi. Oui, élevage, oui. Des vaches pour le lait, mm-hmm. Et puis du maraîchage pour pouvoir manger des patates. Et justement, ce qui a été intéressant à l'arrivée des Acadiens, c'est qu'ils ont fait connaître la pomme de terre aux Belle-Îlois, puisque les Français ne connaissaient pas l'usage de la pomme de terre et la culture de la pomme de terre. Il n'y avait pas de pomme de terre en Acadie. Ah, je crois pas, non. Non, c'était non, ils ont appris ça en Angleterre. Et surtout que les hommes pouvaient en manger. Ça serait bien si on pouvait avoir une royauté sur chaque frite qui est servie dans le monde. Ah, ça serait pas mal, oui. Ah, surtout en France, puisque c'est justement à Belle-Île qu'ils ont commencé à la cultiver et à la faire connaître. Ici, on se trouve au village de Kervarijon. Et puis dans ce village, il y a eu beaucoup de familles, plusieurs familles acadiennes qui ont été installées. Entre autres, des soldats qui étaient en Acadie, mariés avec des Acadiennes. Et autrement, des Grangers. Et nous allons justement à la rencontre de la famille Granger. Qui... Bonjour. Voilà, Marie-Claire. Comment ça va? Bien, très bien. Bonjour. Zacharie, c'est mon nom. Mathias. À Michel. Plaisir. Bonjour. Thomas. Michel, bonjour. Michel. Marine, bonjour. Michel et Gilbert. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien. Alors, paraît que vous étiez tous en Nouvelle-Écosse l'été passé. On est allés, tous les cinq. Ah, oui. On est allés au Congrès mondial, à la rencontre des Grangers. Oui. Plus que des Richards, ce que je regrette d'ailleurs, parce que moi je descends des Richards et on s'est plus occupé du côté Granger. Ah, oui. Oui, parce que vous descendez des Richards aussi. Oui, hein? Joseph Ignace. Mm. Et quand on remonte, on arrive à René Dibeaupré. Alors, il y a... Oui. Vous aussi? Non, moi, c'est son frère. Je descends de Martin.
Martin, le frère de René dit Beaupré. Oui, René, c'était le fils aîné, enfin un des premiers, un des plus vieux de Michel Sanssouci. Donc moi, Michel Sanssouci. Ouais. Oui, j'ai potassé un petit peu ma généalogie. Qu'est-ce que ça signifie, cette recherche généalogique? Cette fouille archéo-familiale qui, à premier abord, semble superficielle et qu'une affaire de vieux. Mais je ne me considère ni si vieux ni si superficiel que cela. Et pourtant, je suis mordu. Je ne sais pas pourquoi ça me touche. Si ce n'est pas à cause d'une volonté de retrouver quelque chose que j'ai perdu. Quelque chose qu'on a perdu, ou plutôt qu'on nous a enlevé. Peut-être que c'est ça d'être acadien. Toujours chercher une partie de soi-même dans des endroits éparpillés autour du monde, parmi des gens qui, eux aussi, cherche la même chose. Est-ce que vous voulez apprendre? Je peux vous apprendre le tralala de Lille? Oui, voilà. Tralala, lala, lala, tralala, lala, tralala, lala, tralala, lala, tralala, lala, sont les filles de Loc Maria, gué, gué, les roulons là. Sont les filles de Loc Maria, gué, gué, les roulons là. Ah, qu'elles sont gentilles, gué, gué, roulons lire. Ah, qu'elles sont gentilles, gué, gué, roulons lire. Vont le soir se promener, gué, gué, les roulons là. Vont le soir se promener, gué, gué, les roulons là. À la pointe d'Arzic, gué, gué, roulons lire. À la pointe d'Arzic, gué, gué, roulons lire. C'est pas fini. Ah, ok. Toute seule, c'est pas facile. Ben, je vais aller me pratiquer. Alors. Tout comme les Cadiens de la Louisiane, les Bretons ont pu garder une tradition de danse. Face à la machine à vapeur de la culture américano-mondiale, face à la télévision érodeur de culture, face au cinéma de vedettes et les championnats de football, les Bretons s'entrelacent les bras et dansent comme on dansait depuis des siècles. Et dans chaque fest-noz, on sent l'humanité exprimer sa souffrance et sa joie. La musique ouvre une porte sur le mystère de la vie et on comprend alors son sens, non pas avec sa tête, mais avec ses pieds. Merci, Zachary Richard. Merci beaucoup. On est venu d'Amérique à la trace des Acadiens. Moi, ma famille est acadienne. On est arrivé en Louisiane et une grande partie de ma famille a séjourné à Belle-Île avant de partir en Louisiane. Ça fait que je me sens un peu chez moi ce soir. J'aimerais bien vous présenter une chanson qu'on a mis dans nos valises quand on a quitté Belle-Île. C'est une très très vieille complainte. C'est l'histoire de la jeune fille de 14 ans. La belle s'est endormie sur un beau lit de rose. Blanche comme la neige,
belle comme le jour. Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire l'amour. J'essaie de comprendre le sentiment. Le sentiment d'appartenance qui peut traverser une période aussi longue et avec autant de distance, parce que l'Acadie, c'est quasiment mythologique ici, je dirais. Enfin, on est tellement loin. Le monde rêvé de notre enfance, on nous dit qu'il existe quelque part, donc il existe là-bas, il existe ici. Parce qu'on est resté sur notre terre qu'on nous a offert au moment où nos ancêtres sont arrivés. Donc il y a quand même ces racines qui sont là. Donc ça s'attache profondément à un territoire. Oui. Alors les enfants de Belle-Île qui sont de famille acadienne et qui se considèrent acadiens, une fois qu'ils déménagent au continent, est-ce qu'ils perdent ce sentiment? Tu sais, nous sommes des Iliens. Oui. On ne peut jamais couper le cordon ombilical avec notre île. Donc même s'ils sont à l'autre bout du monde, ils pensent à leur rocher. Et si ils sont obligés de partir pour travailler, ils reviennent à la retraite. Leurs racines sont là, que ce soit des Bélilois ou que ce soit des Acadiens. Je te dirais, je suis acadienne, mais je suis d'abord béliloise. C'est comme les Malinois, ils sont d'abord Malinois, enfin. C'est pour ça qu'on s'arrange énormément avec les Sirois, ouais. Qu'ils se sentent ici chez nous et qu'eux, ils ont leur identité insulaire. Nous sommes des Iliens. Voilà plus de ton bateau. Flottant haut sur l'écume des vagues de la baie. Imagine ton retour un millier de fois par jour. Debout sur la falaise, regardons à l'eau. Se reverra un beau jour, un beau jour on se reverra, une fois que le temps et le destin ont fini de nous jouer les tours. Se reverra un beau jour. Je vois ton les gens de la mer, les pêcheurs, les marins, comme tous les voyageurs, ont au fond du regard une tristesse qui ne s'efface jamais. Une tristesse qui est colorée par la peur du naufrage et la crainte de ne plus revoir sa terre. Le regard des femmes de marins, celle qui reste sur le quai, est légèrement différent, car il est éclairci par la vision des retrouvailles et l'espoir que cela contient. C'est dur de quitter, mais sache, Marivonne, qu'un beau jour, je reviendrai. Faut que le temps et le destin